Centre universitaire d'ophtalmologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont annonce l'acquisition d'un microscope opératoire équipé d'un système de tomographie par cohérence optique, OCT. Il s'agit d'un premier appareil équipé d'OCT à entrer en fonction au Canada. Cet instrument permet de visualiser les structures oculaires avec grande précision en donnant une image en coupe des tissus visés avec une résolution de 5,5 micromètres. Il permet au chirurgien d'observer les détails de fines structures qu'il peut être impossible de voir avec un microscope standard. Il augmente ainsi la précision de la chirurgie et aide le chirurgien dans la prise de décision pendant l'intervention. Le microscope équipé d'OCT assiste en particulier les chirurgiens pratiquant des greffes de cornée modernes et complexes de type DALC et DMEC, en leur permettant de déterminer avec précision la profondeur avec laquelle ils doivent pratiquer une incision dans la cornée et de positionner avec exactitude le greffon cornéen. Julia Talagic, je suis spécialisée dans les maladies de la cornée. Je suis ophtalmologiste au Centre universitaire d'ophtalmologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. La greffe pénétrante, c'est quand on enlève toute l'épaisseur de la cornée et on remplace toute l'épaisseur par une greffe donneur. Il y a, dans les dernières vingtaines d'années, des différentes sortes de greffes qui ont évolué. Ça s'appelle des greffes lamellaires. Et ça nous permet de remplacer sélectivement la couche de la cornée qui est malade. Donc, les greffes lamellaires sont techniquement plus difficiles que faire une greffe pénétrante. Il y a beaucoup d'avantages à faire des greffes lamellaires au lieu d'une greffe perforante. Premièrement, il y a beaucoup moins de complications à court et à long terme, dont un taux de rejet qui est beaucoup moindre. Il y a une meilleure vision et une meilleure réhabilitation visuelle qui est plus rapide pour le patient. Il y a aussi une meilleure survie de la greffe à long terme. Le microscope équipé par OCT va sûrement augmenter la précision des chirurgies des greffes lamellaires parce que l'image en coupe nous permet de voir la profondeur et l'interface entre la greffe et la cornée receveur du patient. C'est sûr qu'on est très heureux d'avoir accès à cette technologie. Ça va nous aider à continuer d'offrir le meilleur traitement possible à nos patients et à développer des traitements à l'avenir qui sont à la fine pointe de la technologie.